Merci d'avoir accepté. Pas de souci. Bon, on va commencer simple. Ta couleur préférée? Bleu. Bleu. Ok. T'es né où? À Beas, en Espagne. À quel âge t'es venu en France? 2 ans. Pourquoi vous êtes venu en France? Il y avait une dictature et mon père a trouvé du travail, donc on est venu. Ok. Et vous êtes allé vivre dans quelle ville? À Soucy-en-Jarret, au-dessus de Brignerec, près de Saint-Genis-Laval. Et ensuite, on s'est installé à Oullins. Ok. Tu parles couramment espagnol? Oui, mais je ne le parle plus depuis longtemps. Pourquoi? On est en France. Hein. Oui, enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même une qualité de savoir parler plusieurs langues. Je ne le parlais pas beaucoup, je suis arrivé en France très jeune. J'avais aucune raison de le pratiquer ici. T'aimes pas parler espagnol? Non. T'as combien de frères et sœurs? 7. Oh non, 6, Jean-Paul est mort. Ah, mais il avait quel âge? 14 ans, une tumeur au cerveau. Et ton père, à toi, il est mort à quel âge? À 60 ans, cancer du poumon. Quel est le mot, l'adjectif qui te correspond le mieux? Non, non, mais réfléchis pas, réponds comme ça. Quand même, quoi, Oh, attends, gentillesse, je dirais, trop bon, trop con, quoi. Ça te gêne que je te pose des questions? Non, pas de souci. T'as fait quoi comme études? Pas grand-chose, j'ai pas fini le collège. Ah, si, j'ai fait un CAP menuiserie pendant 3 ans. Et à quel âge t'as eu ta première petite copine? 16 ans, je crois. T'as arrêté de fumer par envie ou par obligation? Je dirais ni par envie ni par obligation. C'est surtout que maintenant ça coûte la peau du cul, le prix du paquet de tabac, bonjour quoi. Eh bien, écoute, je crois que c'est tout bon. J'ai tout, merci. Pas de souci. C'est pourquoi ces questions? Ça, c'est mon projet d'école. C'est quoi le thème? Interviewer quelqu'un que vous connaissez pas. Ah. Attends, je crois que j'en ai oublié une. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Merci, papa. Pas de souci.